Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour partager avec vous une notion importante pour l'épanouissement personnel. Souvent, quand on va vouloir se faire plaisir, on va avoir tendance naturellement à chercher un objet qui pourrait nous faire plaisir. Même parfois pour offrir, on va chercher un objet, quelque chose de matériel qui pourrait faire plaisir à l'autre. En fait, il s'avère que les études ont montré que ce n'est pas l'achat d'un objet nouveau qui va vraiment nous combler ou nous satisfaire. Ce qui va vraiment nous combler ou nous donner ce sentiment de satisfaction personnelle qui est en réalité à la base de l'état de bonheur, eh bien, c'est plutôt d'acquérir, de vivre une nouvelle expérience. Donc plutôt que de s'acheter un objet nouveau qui pourrait peut-être nous faire plaisir, eh bien, dirigez-vous vers une expérience à vivre, un voyage, une activité sportive, peu importe. Mais vivre une nouvelle expérience comparée à acheter un objet, eh bien, il y a une différence fondamentale pour notre épanouissement personnel. Acquérir un objet, bien sûr, ça va nous faire plaisir. Mais c'est un plaisir momentané. C'est un plaisir à court terme. Très vite, on risque de se lasser et on risque de laisser l'objet de côté. Et ça ne nous apportera pas une satisfaction personnelle à long terme. Ce que par contre, en revanche, l'expérience vécue nous donnera. Elle nous aidera à nous découvrir, elle nous aidera peut-être même à faire de nouvelles connaissances, elle nous aidera à créer de nouveaux souvenirs. Les bienfaits sont innombrables. Donc plutôt que de chercher à avoir, cherchons à être. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Si vous pensez que ça peut aider, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.